J'enregistre pour les archives YouTube et que je lance le jeu tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Il faut peut-être que je me retrouve dans l'interface. À la manette, Spenlucky. Merde, je crois que j'ai débranché ma manette. J'ai débranché ma manette. Merdoum, je suis pas prêt. J'ai complètement zappé. Attends, c'est quoi qui pendouille? Ah oui, c'est une recharge USB, j'en avais besoin en semaine pour bosser. La manette, elle est là. Il faut que Windows me détecte la manette. Sans quoi, sous Spenlucky, ça va être l'enfer. Parce que Spenlucky est beaucoup plus agréable à la manette. D'ailleurs, si vous posez la question, alors après, dans 1 heure, on sera chez FunFan pour Sanitarium, épisode commenté. Je vous parlerai de l'hôpital Sainte-Anne, mais pas que. Après le restant de la journée, on fera les bibis. On fera peut-être un jeu le soir si je suis en forme ce soir, c'est pas sûr. Peut-être du Far Cry 2 ou autre chose. Demain matin, je suis censé vous faire le Final Fantasy. J'enchaînerai l'après-midi sur sûrement du Arx Fatalis en 2 parties. Une première partie Arx Fatalis, puis 3 heures de promenade commentée avec Nayone. Puis la suite d'Arx Fatalis avant de basculer sur Portal 2 et faire le tableau mystère demain vers les 20 h. Je sais pas si j'y puiserai le soir, dimanche soir, je sais pas non plus, on verra, il y a une part de... Mais en gros, voilà, c'est pour vous donner l'idée du programme complet de du week-end. Ça devrait se passer comme ça. Voilà. Oh! Alice7! Oh là là, Alice, bonjour! Je suis ravi de te voir, mais comment vas-tu? Waouh! Alors là, pour une surprise, c'en est une! Oh, merci à toi de venir faire un coucou! Bah moi ça va bien, merci. D'ailleurs l'ensemble de mon public heureusement va bien aussi. Ah ouais non mais tu vois, il y a des personnes que je vois de temps à autre vraiment de manière occasionnelle, c'est le cas de le dire. Je suis agréablement surpris de vous revoir spontanément vous manifester à moi. Oui bah oui, je sais bien, t'es vachement occupé, mais merci à toi de venir passer faire un coucou. Non bah j'espère que ça va bien pour toi. Ah là 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 là. Ah, attends, je reprends en main le jeu. Non, pas quitter le jeu, ce serait moche. Oui, c'est bien, il m'a reconnu ma manette, c'est cool. Il m'a pas fait suer. Alors, le grand classique. Alors, j'ai des choses à vous dire pour Spelunky. Parce que j'ai pas résisté à l'idée de ressortir mes archives. Enfin, archives, hein, YouTube, Internet. J'ai pas résisté à l'envie de regarder un speedrun que j'avais vu à l'époque de Read Me Up sur sa chaîne, là, les Speed Games, quand il était sur jeuxvideo.com. Waouh! Spelunky, tellement de secrets, de choses à maîtriser. Rappelez-vous d'ailleurs que l'épisode précédent, j'étais exceptionnellement arrivé à la fin de la jungle, et j'étais arrivé au troisième monde, que sont les cavernes de glace, et j'avais débrouillé la moitié du bestiaire. J'avais eu un succès, je connais la moitié du carnet de bord. Ça va plutôt bien? Ouais, des trucs pas faciles. Bah à peu près le même constat pour moi, Alice. Ça va dans l'ensemble. Tout n'est pas rose, hein, forcément, la période est pas rose pour tout le monde. Mais on fait au mieux, comme on dit. Ouais, je vois que c'est le même constat pour toi, Alice. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Donc je connais que la moitié du bestiaire dans Spelunky. Et voilà, j'ai commis une première erreur. Comme quoi, il faut toujours jeter au loin les jarres et non pas les fouetter bêtement. Alors, si j'atteins la jungle, qui est le deuxième monde, je vais vous expliquer quelque chose que j'ignorais jusqu'à maintenant. Enfin, du moins que j'avais oublié. Oh là là là, j'arrive pas à lire les tableaux. Je vais descendre bêtement. C'est drôle. Faut en rire, faut en rire. Nul le mec. Bon, voilà. Vous n'avez rien vu.
Exactement, courage pour les choses pas roses. Ouais, bah ouais. Merci, merci. J'ai la vie. Mais bon, c'est le plaisir Twitch que je vous retrouve la plupart des week-ends. C'est... On se détend, on ouvre ses chakras, on oublie ses soucis. Et on rigole tous ensemble. Oh oui, je l'ai fait sans me faire croquer par l'araignée. L'araignée qui va sûrement rebondir et me retomber dessus. Ouais, c'est vicieux. Non. Non, je vais pas ignorer l'araignée, je peux pas l'oublier, mais il faut que je fasse gaffe. Putain, il y a la chauve-souris qui va me... Voilà, c'était sûr. Non, la blonde qui retombe. Je tiens à vous rappeler que j'ai 2 minutes 30 d'exploration par tableau. Hein, avant que le fantôme vienne me bouffer. Bon, voilà, elle peut descendre. Là, j'ai quoi? J'ai rien. Attends, il n'y a pas de pic en bas? Non, il n'y a pas de pic en bas. Bon, la blonde peut y aller. Moi, c'est plus délicat. Moi, c'est plus embêtant comme configuration de tableau, à tel point que je crois que je vais mettre une bombe là. Ce sera plus gérable. Voilà! Tant pis pour les pépites d'or. Hop! Cochonnerie de saleté qui m'a eu en beauté. Non, il y a une araignée. Alors, j'ai écouté quelques morceaux sur le site que tu m'as envoyé. Je sais même plus ce que je t'ai envoyé, Alice. Je suis désolé. Que je te cache pas que j'ai une communication assez active avec ma communauté tout au long de la semaine. Ah oui, mon site d'artiste. Pardon. Oui, oui, oui. Oui, bah, en espérant que ça pu te procurer du plaisir. Parce que je fais ça en amateur, hein. J'ai pas pris des cours exprès. Je fais ça de manière autodidacte depuis que je suis ado, de composer de la musique électronique. Voilà, le fantôme est déjà là. Et j'ai très mal géré le piège. Je sais pas comment faire, je suis dans la mouise. Je vais devoir sacrifier une bombe. Voilà. Vite. Et je t'explique. Oh là, l'enfer, la combinaison de mort. Donc, comme tu peux le voir, Alicette, nous avons des tableaux générés de manière procédurale aléatoire. Dans Spain Lucky, en fait, t'as un explorateur qui veut trouver 1001 trésors dans les tréfonds d'une grotte légendaire. Mais tous ceux qui y vont, en général, ils meurent. Et c'est parce que chaque niveau est extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est un peu une mécanique aussi à la Diablo. C'est-à-dire que plus tu descends dans le trou en profondeur, dans le terrier, plus c'est balèze. Et il y a 4-5 mondes différents. Donc tous les 4 niveaux, tous les 4 sous-sols, on change de monde. J'ai découvert récemment, avec je sais pas quel miracle, j'ai atteint le troisième monde que je connaissais pas du tout, qui était la caverne de glace, qui est complètement délirant. Et merde, j'ai un cobra. Alors ça, c'est pas cool. Mais le monde d'après qu'on devrait voir quand même tout à l'heure, là, dans mon heure de jeu, c'est la jungle. Il faut essayer de s'en mettre plein les fouilles, c'est-à-dire évidemment récolter un max de trésors, de pépites, de tout ce que tu veux. Il y a des marchands, de temps à autre, il y a des marchands de manière aléatoire dans le niveau, et tu peux leur acheter des équipements. J'adore les bombes, j'adore tout faire péter. En plus, c'est un gros avantage dans le jeu que de pouvoir tout bomber. Les cordes, etc., et d'autres instruments. Le top du top, c'est d'avoir la fusée dorsale, et d'avoir une liberté de pouvoir remonter en haut des tableaux. J'ai pas de... Ah si, j'ai le coffre qui va m'aider à décrocher le piège. Parce que sinon, je me prends la flèche automatiquement, c'est pas cool. Merci. Dans chaque niveau, il y a une blonde. Alors la blonde peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, et ça peut être un chien à sauver. Si je prends le chien, que je l'embarque avec moi et que je l'apporte à la sortie suivante, c'est-à-dire la grotte suivante 100 mètres plus bas, je gagne une vie, d'où les cœurs. Là, j'ai deux cœurs. Évidemment, une vie correspond à un coup que tu t'es pris dans la tronche.
Excepté certaines morts violentes comme celle qu'on a vue à la Tomb Raider où je me suis empalé comme un abruti dans des pics. Celle-là, vous pouvez avoir 16 vies, vous mourrez instantanément, quoi. C'est foutu, la partie est terminée. Donc voilà, je vous laisse deviner, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Spelunky, à l'écran, vous devinez des mécaniques de jeu au fur et à mesure que je joue, là, entre les jarres, les cailloux, les sauts, etc. Là où je vais en arriver, que j'ai découvert, redécouvert des trucs en regardant le speedrun ces 15 derniers jours, c'est que il y a un niveau caché dans la jungle, le deuxième monde. Là, je suis mal barré, vous voyez, il me reste plus qu'une vie. Encore un coup, je suis foutu. La sortie est là. Oh merde, le fantôme est déjà là, mais c'est pas possible. Oh merde, ma bombe qui est passée. Oh chiotte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, ça a déclenché les trucs. Ah bah tiens, là il y avait un marchand. Oh non, il avait des paquets de bombes. Non. 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 Eh merde, il m'a touché et je suis mort. A plus, Nash, bon après-midi. A plus, bon week-end, merci. Je suis pas une grande amatrice de techno-électro de manière générale, donc je suis pas publicisé, mais j'ai bien aimé certaines compos. L'orbite de Jupiter, que t'as beaucoup aimé. Ah bah merci, j'en suis ravi. Alors je vais te faire un aveu, hein, c'est dans mes différents, on va dire, mes rêveries, comme ça, mes fantaisies de l'esprit. L'orbite de Jupiter, vous saurez que si on aurait vécu dans le futur avec, on serait plus à l'aise aujourd'hui, l'humanité, avec le voyage spatial, j'aurais adoré, franchement, j'aurais adoré m'offrir 15 jours en orbite autour de Jupiter, notre géante gazeuse, qui est belle comme une énorme boule glacée, caramel ou beurre salé. Et ça me plairait comme vacances. Sauf que techniquement, bah, on peut pas encore. Et c'est pour ça que voilà, ça m'a inspiré ça, l'œuvre, quand je l'ai composée. Je m'imagine dans l'équivalent de la station orbitale, l'ISS, là, qu'on a autour de notre planète, mais pour admirer pendant 15 jours le Jupiter. J'adorerais. Ouais! Oui, si on accepte le concept de réincarnation, bah écoute, merci de me le souhaiter, qui va savoir, Alicette. Mais qu'est-ce que l'existence nous réserve? Si on part du principe que l'existence englobe une ou plusieurs vies ou expériences de... Après, ça, c'est propre aux croyances de chacun. Mais ouais, franchement, passer 15 jours en orbite de Jupiter, j'adorerais. Et il y a eu des sacrées découvertes, hein, y a des suppositions en vrai de l'univers. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous, mais là, il y a deux astronomes, astronomes japonais, qui auraient identifié une planète identique à la nôtre, de masse 3 fois plus élevée, mais sous forme congelée, parce qu'elle est loin d'une étoile. Elle serait à alors 500 UA, je crois que c'est des années-lumière, l'unité galactique de mesure des distances dans l'espace, les UA. Faudra que je vérifie. On va dire qu'elle est à 500 années-lumière. Et ce serait entre guillemets une possible Terre bis à décongeler. Ouais, unité astronomique. Ouais. Je sais plus si ça compte comme... je confonds peut-être, Alicette. Tu vas peut-être éclairer ma lanterne. Si t'es à l'aise en astronomie, astrophysique. Oh, la blonde qui est en murée, ça c'est une horreur. Si vous avez pas de bombe, vous êtes foutu. Mais non, mais il est déjà là, l'autre. Oh là 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 là. Oui, merci, je me permets de... Voilà, t'appuyer sur ta présence pour vérifier. Bref, on a une planète Terre potentiellement bis. Pourvu... Oui, la sortie est par là. Allez, le bol. Je vais pas faire le foufou, je me barre. Donc là, vous voyez, je vais gagner une vie. Là, j'ai un bisou du beau blond. Et pouf, j'ai gagné une vie. Ce qui est vachement pratique, d'ailleurs. Donc, il y aurait une Terre bis 3 fois plus massive que la nôtre actuelle, qui serait sous forme congelée et qui serait viable à la vie, quoi. Ça pourrait nous permettre de faire une colonie plus tard. Alors, c'est plus ou moins la distance Terre-Soleil.
D'accord, merci pour l'info, Alicette, faut que je retienne. Donc il faudra faire 500 fois la distance Terre-Soleil pour trouver cette planète qui serait, d'après les observateurs, elle serait à une... dans une... qu'on appelle ça... Non mais c'est dégueulasse, pour rejoindre le marchand, il faut provoquer la grosse araignée. Bah oui, mais non. C'est injouable. Il y a des tableaux, je suis désolé, c'est injouable, je recommence. Attendez, excusez-moi. Je prends rapidement l'info du tableau. Là, je joue Baba Cool, mais en même temps, je suis pas performant. Je suis désolé, mais... Comme j'ai le plaisir de vous faire la causette. Ça, c'était un tir opportuniste. Tant pis, je sacrifie déjà une première bombe, mais au moins j'aurai et de la thune. On a des morceaux de pépites. Voilà, je vais plus vite dans la descente, c'est mieux maîtrisé, c'est très bien. Hop, hop, ok. Là, il y a quoi? Ah merde, il y a une chauve-souris. Ah bah merde, je l'ai déclenché, je voulais pas, mais... Allez, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Ouh, la petite araignée au-dessus. La vilaine bite. Ah, c'est seulement... Ah, ah. Non, je joue mal. merde, il y a la bombe et il y a une caisse. Ah, ça se refuse pas. Ça se refuse pas, mais je suis mal placé. Ah, non, je peux pas... Tant pis, je vais faire une bombe et après une corde. Ça va me coûter cher. Mais... Alors, attends, je laisse le caillou là. Ah, mais non, mais non, mais non. Je peux pas faire de corde, la boutique je suis. C'est pas le bon étage. Mais j'ai des tableaux de... Mouise, pour être poli. Oh non, ça va me ruiner en bombe. Oh oh. Ah, merci, je suis content d'avoir un petit gain, un petit sac de bombes. Attendez, je vais vous lire, excusez-moi, je vais vous lire après. J'aimerais faire rapidement et proprement juste ce niveau-là. Oh, mais le jeu est méchant avec moi aujourd'hui, là. Il me fait des combinaisons de morts. Oh non. Ah, attends, la bombe, tu vas... Mais je sais même pas s'il y a des pics en bas, je vois rien. Bon, la sortie est par là, visiblement. Ah là 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 là. Trop massacre. Ah, évidemment. Alors, il est bon de sortir d'une pièce, enfin d'un... avec un caillou. C'est toujours bon d'avoir une arme en main, parce que j'ai déjà eu des débuts de tableau, vous l'avez vu avec moi, où j'étais cerné par des pièges à flèches ou autre cochonnerie, et je pouvais justement les provoquer avec un caillou, sans que je me prenne les dégâts. Alors, vous dites, une UA, c'est bien plus faible qu'une année-lumière. Oui, la distance que parcourt la lumière dans le vide en un an. Oui, comparé à... Oui, Terre-Soleil, ça dure 7 minutes, normalement. Je crois que la lumière du Soleil met 7 minutes à nous arriver dans la tronche. Merci de la précision en astrophysique, Alicette. Donc, elle serait à 500 fois la distance Terre-Soleil, cette planète bis. Et il y a d'autres découvertes qui ont été faites récemment dans l'univers. Et waouh, il y a des trucs, franchement, c'est... Ça laisse rêveur, quoi. Ça laisse rêveur. Ah, tu fais foufou avec Westbot, fun fan. Hop là. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas titillé non plus, Westbot. À l'occasion, il faudra que je m'amuse à nouveau à voir. Parce que l'intelligence artificielle est sans cesse en progression. Alors, pour ce qui est de Westbot, c'est bien. J'aurais beaucoup de choses à, excusez-moi, à dégueuler sur les IA. Mais ce qui me fait mal au trip, c'est qu'ils se produisent ce qui était prévisible. C'est qu'il y en a pas, il y en a plein qui perdent leur emploi. Puisque remplacés par des IA. Et en France inclus. Hein. Là, je sais plus, il y a quel corps de métier. J'avais lu un bulletin d'infos cette semaine dans le journal.
Il y a je sais plus quel corps de métier, ils vont virer quasiment tous les effectifs de je sais plus quel métier. C'est des rédacteurs humains, ils vont tous les remplacer par des rédacteurs machines. Et j'ai peur que ce soit que le début. Je sais plus quoi penser, mais bon. Oh, la chute! Oh la vache! J'ai encore du bol de pas avoir fini sur les pics. Alors attends, je suis trop intéressé par des bombes. J'adore les bombes! Ah bah j'ai encore de la thunage, je vais prendre l'option boussole ou des cordes? Ah, oh, je peux pas tout prendre. Je vais prendre les cordes, allez, je vais jouer stratégie. La boussole, ce sera une autre fois, tant pis. Alors attends, tant que le fantôme est pas là, les souris dansent, j'ai envie de dire. J'ai deux jarres à péter. Merde! Un serpent peut en cacher un autre. Oh la vache! Chetoum, il m'a eu dans le dos, l'horreur. A plus! Oh, t'as pas encore déjeuné! Oh, Mazette, t'es ultra décalé! Bah, bon app et puis bonne continuation à toi, bon week-end, Alicette, merci. Bisous tout plein, merci, à plus. En espérant que dans le futur, tu puisses reprendre de temps à autre ta chaîne Twitch. Ce sera avec grand plaisir. Mais merci d'être passé, ça me fait super plaisir. Bis, à plus. Mince, j'ai cru que je m'étais trompé de touche, non, ça va. Je me suis fait peur. Oh là là. Le bestiaire d'entrée de jeu, une nouvelle fois. Chauve-souris à la noix. Encore que... Attends, il y a un hôtel de sacrifice. Allez, je suis fou. Je suis un grand maboule. Je déclenche toutes les cochonneries. Alors, le cobra, il est ultra dangereux. Oh, la blonde est en dessous avec un sadomaso. Tout va bien. Oh bordel! Non, bah l'hôtel de Kali, là j'ai tué. Eh oui, elle est pas contente, merde. J'aurais dû m'en. Là, je suis dans la même mouise pour pas dire autre chose. Putain, j'ai un marchand en bas. J'ai la moelle qui est pas le tout. Je gère incroyablement bien. La blonde est mort. Tu m'étonnes avec toute bestiaire. J'ai plein de bombes, j'en profite. Non, merde, le caillou. Oh merde, j'ai pas vu l'araignée. J'avais peur que le caillou soit projeté par la bombe et que ça me tue. Ce qui m'était déjà arrivé, souvenez-vous, par le passé. Vous voyez? Une entrée de... dégueulasse, là, là. Très bien, ça illustre mon propos. D'entrée de jeu, hein. C'est le jeu qui vous dit allez vous faire empapaouter sans vaseline, vous voyez? Niveau 1 de 1. Mort ou mort? Gauche ou droite? Oh la vache. Ah, les joies de l'aléatoire. Oh merde, et puis je pensais qu'il allait péter. Non, c'est dégueulasse. Spen Lucky m'en veut. C'est pas possible, aujourd'hui, c'est la poisse absolue. Ah, évidemment, la bande était là. Allez-y. Merde, j'avais déjà oublié la... Hop là, attends, attendez. Voilà, là je l'ai mieux par le dessous. Alors qu'au-dessus, c'est elle qui a le... qui a l'avantage. Ah, la caisse de matos m'intéresse. Ça a l'air trop profond en contrebas. Je vois pas le fond, j'ose pas y aller. Alors, comment gérer la blonde et la bombe? Ah, des cordes. Je préférerais des bombes, mais il m'en reste plus qu'une là. Ça. Ah merde! Non, je panique. Merde, bah, elle est morte, tout le monde. Tant pis, je l'ai fauté, je l'ai tué, elle est morte. J'ai très mal géré, j'ai paniqué. J'ai pas du tout aimé le scénario. Ah non, elle est encore en vie? Incroyable. Après tout ce que je lui ai mis. Mais non, mais. Oh là là. Ça y est, j'ai plus de bombes.
Oh là 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 là, ça va, il n'y a pas de pic. Je sais plus comment faire moi. Je sais même pas où est la sortie. Je n'ai aucune idée de où est la sortie. Là j'ai la Thunes. Si je fais flèche du bas, je vois quoi? Mais je suis mauvais, hein. Je suis. Aujourd'hui, je suis en contre-performance, c'est un cauchemar. Oh là là, j'ai plus de bombes! Alors attends, on va pousser ça, ce qui va nous permettre d'atterrir là. Tant pis, je sais même pas. Ah! Miracle! Allez, je fais pas le fou, je me barre. A plus, Torota! Merci d'avoir été là aussi, bon après-midi, à plus! Oh, il faudrait que je fasse plein de dommages à plein de monde, moi. J'ai pas l'habitude du shootout et j'ai oublié mon réflexe de la pub. Faut que je mette en lumière plein de monde. Que vous puissiez, comme dit si bien Aerostore, vous voir les uns les autres. C'était juste. Merde, loupé. Oui, joli. Ah, il a des bombes, le marchand. T'as la vache, la chute du truc, toi. Joli. J'ai bien géré ma chute. Le reste m'intéresse pas. J'aurais adoré qu'il propose la pioche. La pioche est un utilitaire complètement craqué. Enfin, un utilitaire, un outil complètement craqué. Qui permet d'économiser moult bombes et d'aller quasiment partout. Ah, les hôtels sacrificiels de Kali. Habituellement, on y sacrifie une blonde pour avoir un cadeau de la part de la déesse dans le jeu au hasard. Parmi tous les outils qui peuvent nous aider dans notre aventure. Et je sais pas pourquoi, j'ai une envie folle de la trucider, elle. Et j'ai appris par le speedrunner de talent qu'on pouvait... Attendez. Oh, joli. Je crois que c'est la première fois que je suis une descente sur un bloc amovible. Non, mais alors là, le rubis est trop loin. Qu'on pouvait l'avoir dans le baba. Merde, j'ai pas lu mon tableau. Ah, alors, pour avoir la vraie fin, il est important de déverrouiller ce coffre. En fait, verrouiller. Je savais pas. La gourmandise me perdra. Mais tant que le fantôme est pas là... Oh, j'ai glissé, chef. Oh, je suis nul. Voilà, mon propos est décousu. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, on peut sacrifier une caisse en bois, là, d'utilitaire sur l'hôtel de Kali. Et elle vous donne une courgette. La courgette est une fin ultime cachée, ultra challenge de la mort qui tue pour les aficionados du jeu. Je m'explique. Vous sacrifiez votre caisse utilitaire sur l'hôtel de Kali, vous vous retrouvez avec la courgette. Le problème de la courgette, c'est que c'est un légume fragile. Vous pouvez certes le lancer sur quelque chose, un ennemi, un décor, mais à part se briser, la courgette ne occasionnera même pas le moindre dégât. Il se trouve que... Alors, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne veulent pas connaître le secret ultime. Bouchez-vous les oreilles pendant une minute. La courgette, en fait, est un défi de malade. Il s'agit de la garder sous soi. Alors, vous pouvez la déposer hein, sans la lancer. Vous devez la garder sur vous jusqu'à la fin du jeu, mais elle est utile uniquement pour le véritable boss, parce qu'entre guillemets il y en a un faux de boss. Il faut aller dans les enfers dont l'accès est difficile, et c'est dans la deuxième phase de transformation du vrai boss final que vous devez lancer la courgette pour provoquer la malédiction de ce boss et le transformer en courgette géante. C'est
totalement délirant. Et c'est pour juste par défi masochiste. Voilà, j'ai merdé mon truc, merde. Dans le jeu. Enfin, c'est un truc de bon malade. Ah, j'ai trop envie d'avoir du matos. Je creuse. Allez, je suis fou. Ah merde, il n'y a rien au-dessus, pas dommage. Oui, il y a de la thunasse partout. Est-ce que je peux lâcher la blonde? On va voir, elle va peut-être prendre sa liberté en contrebas. En espérant qu'elle tombe pas sur des pics. Oh, je vais pas aller là où je veux aller. Le fantôme va arriver, c'est sûr, je mets trop de temps là, je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand, mais je vais me faire bouffer. Bref, il y a le boss normal, mais qui est pas le vrai boss. Je sais même pas où il est sorti, c'est l'enfer. Qui est déjà pas évident de patater, mais en plus, il y a... Bah, c'est au moment de patater le premier gros boss du jeu, vers la lave, vers la fin du quatrième monde, que vous pouvez... Oh mon dieu. Bah la flèche que je viens de me manger en fait c'est... Voilà. La vie va m'être située par toutou. Waouh. Et je disais... Oui c'est au moment de patater ce grand dernier boss que... C'est au moment de le tuer d'une manière particulière, j'en dis pas plus, que vous pouvez accéder aux enfers. C'est au moment du combat sur le dernier boss que vous pouvez accéder aux enfers qui vous permet, une fois que vous avez traversé les enfers avec mais alors des pièges de gros maboule, arriver au vrai boss de fin qui peut être potentiellement transformé en courgette. Enfin bon, bref, c'est pas une lucky, c'est des défis de folie. Hein. D'ailleurs, je sais plus dans son témoignage, le speedrunner, je sais plus s'il était parvenu à avoir relevé le défi ou pas. C'est, il n'est pas impossible que personne dans le monde, finalement, soit parvenu à ce jour à honorer le défi. Oui, je me douche dans les bombes. Mon marchand favori. Oh, faut pas que je fasse l'idiot, j'ai pas le droit. Je suis riche en bombes. Elle aussi, elle aime. Tiens, mange. Oh, dans sa face. In your face. Hein, la vilaine. Oh, je vais feinter la vilaine. Oula, là je vais pas feinter grand monde parce que... C'est dangereux. C'est dangereux. La sortie est par ici. Mais j'ai pas vu la blonde. Oh merde. Oh non, je voulais pas péter l'hôtel de Kali, moi. C'était pas prévu dans mon plan. Oh, j'ai mal jaugé de la puissance de ma bombe. Oh oh, un pu de lingot. Oh, oh là là. Le jeu m'en veut. J'ai le jeu de la moelle. Ah, vilaine chauve-souris, viens. Bon. Tintin QQ. Ah! Attends, je... Oui. Ça, c'est très bien. Voilà. Comment piéger la chauve-souris avec la toile d'araignée. Ça, c'est malin. Oh! La tunasse! Attention, petites araignées au-dessus. Bon, la blonde, là, on l'a pas vue. Auprès de ma blonde, da du di du di du da. Auprès de ma blonde. Oh, yeah. Oh, oh, joli. GG à moi-même. Mon sacrilège favori. Je résiste pas. Surtout qu'il y a un marchand en dessous, donc il va gueuler. Ah, sympa. Il y a de l'or. Ah non, ça va. Le marchand n'a pas été importuné. Ah bah, j'ai du bol. Bon.
Attendez que je lise le tableau là, j'ai quoi? Oh! La configuration de la moelle T pour changer. Oh non! Un scorpion sur le boulet. Oh non. Je savais même plus que c'était possible dans le jeu. Mais non, mais non, mais non. Mais c'est infernal votre truc, arrêtez. Oh là 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 là. Voilà, là c'est très bien comme ça. Ah, voilà. Oh là non, là, si c'est trop dangereux, de toute façon ça ne m'apprendra rien. On a vu que c'était condamné. J'étais condamné. Alors ça c'est pas cool. Mais alors quand je dis que c'est pas cool du tout. Je crois que je vais être obligé d'être très très vilain. Non! Mais non! Mais je maîtrise même pas mon sujet. Tiens, mangez-vous ça dans la gueule. Évidemment, elle m'a mordu. Peau de vache. Oui, oui, non, mais va par là-bas, va par là-bas. Mais oui, mais vas-y. Oh merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, elle est morte. J'ai tellement... Voilà, tant mieux. Ouais, j'ai gagné la glu des araignées. Oh, cette mort. Je savais même pas que c'était possible. Non, mon gain, rends-le-moi. Attendez, le fantôme n'est pas... Are you serious? Merde. Ah! Alors normalement, je peux faire pousser une caisse d'explosifs sur une case en bas sans qu'elle pète. Mais là, comme il y avait un obstacle, ça l'a déclenché. Je vous confesse que je l'ignorais jusqu'alors. Ah! Des subtilités du jeu! J'étais l'homme aux 20 bombes. Ouais. J'aimais bien avoir 20 bombes. Toi aussi, tu aimes faire ta bombe. Mais... Ah! Cochonnerie. Cochonnerie. Oh. 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 Je n'aurai que cette voyelle à la bouche dans la minute qui suit. Oh. Tunas! Je deviens cupide! Ah. Chic. Il y a la sortie. Bon. Lingot symbolique. Alors, soit j'ai pas vu, soit j'ai déjà oublié la bombe. Bon, tant qu'il n'y a pas le fantôme, hein, on y va. Ah, alors là aussi, c'est une config pas cool. Faut s'adapter. Faut que j'aille chercher le projectile en bas pour mieux remonter et mieux le balancer. Balancer, cadencer, zooker. Voilà, magnifique. Et bah c'est pas cool, c'est le niveau de la pauvreté, je vais me barrer. Je viens de recevoir mon colis, je te montrerai tout à l'heure. Oh, Vénard, c'est bien. N'oublie pas de te préparer, hein, Fun Fan, normalement on fait sanitarium chez toi dans un quart d'heure. N'oublie pas de préparer ta prise d'antenne. Parce qu'il faut pas qu'on se laisse endormir, là, c'est le cas de le dire. Par Spen Lucky qui nous met dans le noir. Hein? Gros vilain. Ah! Le vilain! Oh, j'ai trop envie de faire la... Je sais pas ce qu'elle contenait. Ah bah. Oh, attends, pourquoi jouer une... Oh, j'ai 4 bombes. Ça vaut de la thune, les scarabées d'or. Ça vaut de la Tudas. La richesse des scarabées d'or. Ouais. Descends plus bas, vilaine araignée, que je t'écrase. Ouais. Bon, les dernières tentatives. Oh, tu fais suer. Moi, je me barre. Ah, mais non! C'est quoi cette config de ch... On va faire péter les pics par vengeance. Burp. Attention à la descente. Ouais, alors là... Oh merde. Araignée de mes deux.
Ah, j'entends une blonde. Cool. Que la lumière soit... C'est pas un succès, ça, d'avoir la lumière, toutes les torches allumées dans un niveau de ce genre. Parce que c'est un défi en soi. Hein. Ah, lui, il vend du matos, mais... C'est moi ou la blonde était en contrebas? Bon, je vais la tenter. Pourvu que ça me porte chance et que mon flair était bon. Non, mon flair était pas bon. Merde! J'ai plus qu'une bombe. Le marchand ne vend pas de bombe. Et il va falloir que je fasse usage d'une corde. Le fantôme de la moelleté va arriver, il va me bouffer. Non, mais il y a dit... Oh! Mais comment voulez-vous que... Bon, d'accord, je passe par là. Eh ben oui que j'ai des frissons, Nunu. Au secours! Les fantômes! Mais c'est la molle qui t'a assassiné, Mathias, dans ta face. Eh ben, c'était la mienne de face. Bon, tant pis pour la blonde, hein. Je me barre! Wouah, mais regardez, c'était la deuxième partie, le deuxième tableau, et j'étais déjà dans le noir, dans un niveau spécial. Oh, le jeu m'en veut, hein. Mais c'est de l'aléatoire. Mais là, franchement, aujourd'hui, j'ai pas l'air idiot avec la torche, du coup, dans une grotte éclairée. Tiens, merde, tiens, je me suis trompé. Ah bah merde, j'ai gâché ma dernière bombe, allez hop. Ouais, je sais plus jouer. Allez vous faire poutrer. Oh, le crachat du cobra. Oh. 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 Je suis Spiderman. Comment ça marche? Comment ça marche? Attendez. Je sais pas comment marche la fusée. Ah. Bah tiens, j'avais un truc de décollage. Comment ça marche? C'est quoi la touche? Mais non, c'est une corde abruti. Ah, c'est double saut. D'accord. Oh, j'ai complètement craqué. Je comprends pourquoi ça coûte 22 000. Et des brouettes. Bon, allez, je renonce au coffre parce que là, j'ai perdu trop de temps avec une bêtise. Ah, l'araignée va être drôle. Regardez, elle tombe. Elle déclenche le piège. C'est ça qui est beau. Vous connaissez la mécanique de jeu? C'est beau! Non! Ça, c'est pas beau! Ça, j'avais oublié qu'il y avait des trucs qui venaient du plafond, merde! Ah, ça dure pas éternellement là! Mais non, mais cette config de mort, mais. Vous êtes chiant! Allez! Je veux profiter des. Voilà. Pour une fois que je joue avec des fusées dorsales. Oui! Oui! Ah! Non! Là, dangereux. Dangereux, je prends des risques. Fusée dorsale! Merde, moi je peux pas m'empêcher de faire l'idiot. Attention. Ah non! Wouah, les salopes! Oh. Et ça aurait pu mal se finir, hein, parce que j'aurais pu avoir un éclat de l'explosion dans la tronche. Mais non, mais faut arrêter là, le jeu. Mais t'abuses. Hallucinant. Oh, les combinaisons de ma boule. Y'a le jeu qui abuse. Non. J'ai les araignées maintenant. Mais non. Non. Si je vais mourir d'un dégât de chute par ma bêtise. Oh, génial. Cochonnerie. Oh merde. Ah ouais, non, mais non. Alors là, ça craint 600%. J'ai pas de projectile pour... j'ai rien. Il faudrait qu'une bébé araignée vienne... Mais non, mais c'est impossible. Mais non, mais allez vous faire en papaouté.
Mais je vais perdre une vie obligatoirement là. J'ai pas de cailloux, j'ai rien. Ah si, je dis des bêtises. Attendez. Je suis un CON. J'aurais dû la lancer en étant accroupi. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Et pan, voilà, voilà. Ah ah. Et quand je recommence à faire mes croissements de corbeau, c'est que... Je suis vénère. Je suis vénère. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Oh, je... On verra même pas la jungle aujourd'hui, vous voyez. Le jeu m'en veut tellement à ce point, je suis tellement mauvais que... Que nous le verrons. Oh. Oh, 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 oh. Nope. Oh. Il y a de la richesse. Allez. Allez, allez, allez. Je peux le faire intelligemment. Regardez. Je peux le faire. Je vois déjà la combinaison. Déjà, je prends des petites pièces aussi. Attends, il n'y avait pas une genre. Non, c'est un crâne de squelette. J'ai rien dit. Ah bah tiens. Oh bah non, elle était pas assez proche. Merde. Hop là. Non, loupé. Non, ça a pas marché. Bon, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Eh merde. Bon, bah au moins j'ai ma thune. Kratoum. La cupidité me tuera. Non. Qu'est-ce que c'était? Oh. Un téléporteur. Je suis en droit de me téléporter. De me téléporter à l'opposé. Hmm. Oh, le fusil. Oh, je suis devenu un homme dangereux. À moi le fusil. Oh. Fusil. C'est efficace. Qui n'en veut, qui n'en veut. Chevrotine éliminée. Éliminée. Chevrotine illimitée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi parvenir à parler français. Oh non, la blonde qui est. Oui, bien sûr. Tiens, bouffe. Hop là. Parce que c'est drôle. Ah. Ça fait zizir. Attends, j'ai la prétention de pouvoir jongler avec le fantôme. Vite! Alarme! Tu sautes! Tu gardes ton sang-froid! Tant pis pour la blonde, j'ai passé de bombe et tu te barres. Parce que c'est la muerte, mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias, dans ta face. Comme j'aime bien le dire désormais dans Spellmaking. Dur, dur. À moi la menace, moi la chauve-souris. Oh là là, quand t'as le fusil, t'en abuses. C'est jouissif. D'ailleurs, ça te donne un mauvais attrait psychologique qui est le l'abus de confiance en soi. Là. Comment on dit ? Ah bah voilà, vous voyez. Merde, comment ça s'appelle ? Un excès, pas de zèle, un excès de... Oh, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est bien, j'ai illustré mon propos par ma bêtise. Je ne pouvais pas faire mieux. Pour illustrer ma mise en garde. Oh, vilain, vilain squelette, vilain crâneur, va mourir. Ça y est, il est... Oh, cette succession de toiles d'araignée. Oh, il y a la thune. Il y a la thune. Viens ici, vilaine. Viens ici, vilaine. Viens mourir. Pas dans mes bras, mais dans mes pieds. Bah. Non, là, y'a rien. Push que le repeteux. Ouais.
Mince. J'ai omis de me raccrocher au bord. J'arrive même plus à escalader ce qu'il faut. Ah, je suis un cachant là. Et j'entends une blonde. Enfin, si seulement je pouvais faire péter la caisse. Non, j'étais trop loin. Je l'ai pas fait assez vibrer. Ça aurait été trop drôle que ça explose. J'aurais adoré. Michael Bay. Oh, pour des lingots de chiottes, j'en ai même pas envie. La blonde est là, mais j'ai plus que 3 bombes. Ah, puis elle est emmurée à donf. Ah, non. Faut arrêter le jeu, là. Non. Ah, il y a... Oh, merde. Les caisses de matos sont vraiment tentantes. Le loot, comme dirait Funfan. Voilà. Oh! Surprenant d'avoir la colle sous forme de... Oula! Sous forme de... caisse. Alors, je m'attendais pas à un cadeau du jar. Ah, pour une surprise, c'en est une. Double toile qui te ralentit. Non. Puis je dois. Voilà, utiliser mon caillou pour ça. Ah, ah, ah. Ah, bah non, ça marchera pas, mon truc. Merde. Ah, vache. Ah! J'étais si proche de la perfection. Qui est dommage. Je me remets pas de la piètre qualité de ma contre-performance aujourd'hui, j'en suis navré. Oh là 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 là, je joue de manière lamentable. Attendez, pour cette dernière, j'ai vraiment essayé de me taire et de me concentrer. Et vous allez voir que ça va être pire. Mais non, mais non! Mais pourquoi les là, hein? Avec l'araignée immonde... Allez, des bombes. Je sais plus ce qu'il fait, le gant de baseball. Ah, la blonde est qui part par là-bas. Et à la voix, c'était un mec. Donc c'est Ken de Barbie qu'on a retrouvé. Il est où le beau gosse? Merde, il est en bas le beau gosse et j'ai plus de bombes. Non. Eh ben, je suis couillonné. Et le pire, c'est, excusez-moi du peu, hein, mais en plus, il y a la caisse du côté de la blonde. À moins que je puisse rejoindre la blonde par un autre chemin. Par la magie du démon de... Mais non, mais... Hein? Voilà. Ce jeu de fou. Ce jeu de fou. Merde, j'ai merdé mon truc. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je peux ignorer ce fichu serpent de mêle. Ah! Hop là! Attrape mon caillou! Essaye de le faire rebondir avec tes joues! Que ça m'étonnerait! Qu'il faut que j'aille par là! Merde! Oui, normalement j'aurais dû avoir la délicatesse! La délicatum, oui, ça peut, de descendre en me retenant sur le bord. Ah si, j'ai réussi à provoquer la flèche. Parce que déjà la jarre, ça a merdé, mais alors si le caillou merdouille aussi. Voilà, non mais je joue super mal. Ça, une catastrophe. Non, viens la blonde. Oh, bah merde, puis tiens, je l'ai flotté. Non, reviens pas tout de suite la bande. Voilà. Voilà.
J'ai gagné une vie supplémentaire. Enfin. Espoir. Il n'y a pas de fantôme encore. Je m'en mets plein les fouilles. Le Tunas, elle est trop loin, ne vaut pas le coup. Je me barre. Un caillou à la main, ce qui est de facto un avantage. Presque une assurance vie. Allez, c'est ma dernière tentative de l'année, j'allais dire. Le mec qui n'en peut plus. Qui craque psychologiquement. Non, la dernière de la journée. Avant de rejoindre Fun Fan sur son antenne. Et vivre les suites des aventures de Sanitarium. Je veux fouetter ces araignées de la muerte. Ah, j'ai pas eu de réflexe, pas bien. Viens, vilaine. Ah, marchand de quoi? Ah, ch'tite bombe. Ch'tite bombe m'intéresse. Clé très intéressante. Clé d'ailleurs plus lourde que les rochers. Ah, je pensais qu'elle allait chuter de l'autre côté. Alors elle va me poser problème. Merde. Oh, magnifique. C'est drôle. Oui, j'ai le trésor de Kali. Le trésor de l'infini. Mais elle va descendre plus bas, cette vilaine, que je lui saute dessus. Parce que là, elle est vraiment kikinante. Ah, la bande est juste en dessous. Allez, vite, j'ai pas trop de temps. Bombe, merci, au revoir, monsieur le marchand. Je vois des choses qui me plaisent. Alors, attends, la bombe va aller là. Je vais vite déclencher la colère des dieux. Je me barre et je me barre. Merde! Quand je vous disais qu'aujourd'hui je jouais mal. Oui, bien sûr. Et puis il y a le marchand qui est vénère juste après. Bon, question, Fun Fan, t'es prêt ou pas? Sinon, moi j'en relance une. Hein. Tu me dis, comme tu le sens. Mort de rire. Non, mais tant mieux. L'essentiel, c'est que ça vous fasse rire. Mais ça me bouffe. Oui, t'es prêt? Bon, bah allez, on va y aller. On va y aller, on va y aller. C'est déjà très... Regardez. Eh. Hein. Voilà, je cherche même plus à lutter. C'est triste, c'est moche. Incroyable! On n'a même pas vu la jungle aujourd'hui. En une heure de jeu... Merde, je me suis trompé. J'ai zappé mon chat! Non, secours! Revenez! Le mec qui est ultra vénère, il sabote sa chaîne en direct. Non! Au secours! J'ai fermé mon propre chat. Bon, allez, je lance mon navigateur et puis... Et puis... Voilà, je vais faire relais de chaîne à Fun Fan. Ah là 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 là. Il est où mon chat? Il est où mon centre de contrôle de tout ce que vous voulez? Ah oui, il est là mon chat. Alors déjà, je tiens à faire un petit shoot-out. Comprenez, un hommage façon Twitch à Momoka, qui est adorable, qui est le plus fidèle des modérateurs envers Aerostar, qu'on embrasse aussi. Mais je veux rendre hommage à Momoka. J'essaierai de rendre des hommages à d'autres diffuseurs dans le week-end. Il faudra que j'y pense ce soir lors des bébilles. Mais là, on va faire un relais de chaîne, un Fun Fan. Et je vais me faire une joie de commenter pour vous Sanitarium. Il va falloir que je sorte Rip Momoka. Oh, mais non, mais non. Mais l'hommage a été fait. Attends voir. Est-ce que sur le Discord, tu m'as déjà fait un appel? Non, pas encore. Il faut que je capte ton signal, Fun Fan. Si, merde, pourquoi je te vois pas? Faut que je rafraîchisse? En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là déjà pour cette longue matinée. Merci pour les clips, merci pour la modération, merci tout le monde. J'ai adoré de vous voir tous et toutes, ça m'a fait déjà un grand bien pour ce matin, merci tout plein. Je coupe le son parce que j'ai de la pub.
Tac, 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 tac. Merci, ouais, pour l'appel. C'est parti, go. Allô, Nickel. allô? Ouais, je te reçois. Bonjour, FunFan. Attends, ouais, je suis trompé de scène. Alors, je prépare quelques trucs. Fais, vas-y, Voilà. vas-y, vas-y. Voilà, je coupe ton canal, sinon ça va faire du double. J'attends Tu le m'étonnes. raid. Voilà, je lance la scène PC. À tout à l'heure pour les billes, hein. Moi on se retrouve sur mon antenne, je À sais pas tout à vers l'heure quelle pour les heure, bibis. 18, 19h, 20h. On se fera un grand prix de 16 courses de billes. À tout à l'heure, voire plus. Mais merci à tout le monde d'avoir été là. Bisous, prenez soin de vous. On file chez FunFan. Sanitarium. Voilà. Je fais mes petits trucs. Ah oui! Bonjour tout le Bonjour monde. à tous. Bonjour, bonjour. Comment va le sage, puisque Mais tu il est en pleine l'accompagnes? forme le sage. Il est content d'être en week-end après une semaine folle de son côté. Merci. Comment Bon. tu vas, FunFan? Ben, ça va, ça va. Donc, Rio. Alors, avant, je vais vous montrer mon colis.